Eh bien, salut à toutes et à tous les amis, c'est RaptorZ et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on se retrouve sur Alien versus Predator. Et donc, du coup, nous allons continuer la partie sur le mode marine sans perdre de temps. C'est parti, go! Ok, on se retrouve ici. Alors, rappelez-vous les amis, dernièrement, dans le dernier épisode de Alien versus Predator sur le mode marine, nous avons... What the... Tu me reçois, le bleu? Nous avons affronté la reine des xénomorphes. Donc du coup je disais, alors oui, la reine des xénomorphes, donc nous l'avons vaincu, nous avons détruit le ni une bonne fois pour toutes. Va vers une tour émettrice. Active-la et reste à proximité. On s'en servira pour te repérer. Ok, donc du coup on est dans la jungle. Eh, hey, franchement là, le petit screen là, du prédateur, même pas peur. Même pas peur. Ah, salut mec! Attends! Wow, 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 wow. Alors apparemment, ça, c'est une nouvelle race de Xeno. Moi, ce que je trouve un peu bizarre, c'est qu'ils se ressemblent, mais carrément, quoi. Alors oui, on dit que ce sont des cracheurs, en fait. C'est quoi ce qu'il y a par terre? Ok, bah alors qu'est-ce qu'on doit faire? Réactive la tourelle, c'est ça? Alors, trouvez le transmetteur, réactive-le. Ok, temps mission, nouvel objectif. Ok, d'accord. Ouh là 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 là, on a de la compagnie, les amis. Allez, venez par là, les gars, je vous attends. Cracheur d'acide, d'accord. Allez, venez descendre, punaise. Je les vois pas, ça me perturbe. Alors sur ma carte, sur Nike, Rami. Ah, oh, puis j'ai tout. Vous savez ce qu'on va faire? On va avancer avec un peu de chance, ils vont me suivre. Ouais. Hop là. Et un de moi. Le deuxième, je sais pas où il est. Ah, il est là. Hop là. Et voilà. Ok, maintenant les amis, on doit de nouveau aller dans la jungle, la terrible jungle. Où non, il n'y a pas de lion, mais plutôt des créatures vicieuses et complètement dégueulasses. C'était un vaisseau vaisseau des humains ou vaisseau du prédateur? Je ne sais pas. Putain, où est-ce qu'il se cache? Ah, il est là-bas. Hop là, voilà. Ça, c'est fait. Bon, on va vite qu'on aille, mais rapidement à notre point d'objectif, sans essayer de se faire opérer. Ok, les amis, donc là, je suis arrivé à un point de contrôle. Ouais, donc on doit se rendre dans cette grotte. Putain, mais ils sont combien là-dedans? Je sais même pas si je suis même pas, je suis jamais passé par là en fait avec avec comment dire le Predator ou l'Alien, peut-être une fois ou deux, mais je m'en souviens pas. Oh non! Oh oh, ah, va-t'en, va-t'en, va-t'en. Il est mort. Allez, 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 on se dépêche, on les éclate tous. Je me demande comment ils ont fait pour atterrir ici, ces œufs-là. Parce que je crois que logiquement, c'est que la reine qui peut faire ça, je crois. Alors oui, j'utilise mon petit pistolet parce que j'ai envie d'économiser mon lance-flamme, mes œufs. Si surtout comment dire, mon fusil à pompe, là, parce que j'ai... envie de le gaspiller pour si peu, quoi. J'ai pas envie de gaspiller les munitions pour 2, 3, voire rien.
Ok, c'est bon. Allez, allez, on termine ce petit minage et après c'est bon, on a fini. Ok. Ça y est, les amis. Pas de contrôle. Oh putain! Oh là 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 là! Non, non, va-t'en, va-t'en, dégage de ma tronche, toi. Ok, c'est bon. On l'a eu. On va devoir encore pirater. Piratage en cours. On se prépare au cas où. Je pense avoir vu un facehugger là. C'est bon, c'est fini. Et voilà. Je repère ta position. Ici le Typhoon. Signal reçu, je me déplace vers votre position. On arrive à ta position dans 5, 4, 3, 2. Lève les yeux, le bleu. Allez, on te prend en stop jusqu'à la maison. Ah, ok, d'accord. On peut tirer dessus! On peut tirer dessus! Tu peux pas tirer! Putain, qu'est-ce qu'il tire en bas? On est touché! On est touché, SOS! Oh là 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 là! Et vous êtes crashé! Et bah voilà, trouve un moyen de partir des marais. Ok, bah écoutez les amis. Je pense qu'on doit partir tout simplement. Ok, où est-ce qu'on doit aller? Eh bah écoutez, on va continuer tranquillement. Ok les amis, fallait rentrer par là. Hop. Qu'est-ce qu'il y avait aussi? Il y a une arme ici, mais non, je vais pas la prendre. What the fuck? Qu'est-ce qu'il était en train de faire lui? Il était en train de nager. Il est arrivé en mode YOLO quoi. Allez, va-t'en. Le bug qu'il y a eu. Mais what the fuck les amis? Allez hop, on l'achève. Bon, maintenant... Alors, selon ma petite flèche... Faut retourner là-bas. Ok. Ah! Bonjour! Allez, allez, allez! T'as un cracheur d'acide là-bas. Hop là. Et voilà, c'est bon, on peut continuer les amis, et vite. Ok les amis, nous arrivons ici. Soldat. Soldat. Ouais. Vous ne me connaissez pas, mais j'ai une proposition. Si vous m'aidez, je vous guiderai vers vos amis. Mon nom est Kasia. Je suis... enfin... j'étais l'administratrice déléguée de cette colonie. Il faut absolument que je récupère les données contenues dans le grand bâtiment devant vous. D'accord. Il faut que vous me trouviez un module d'alimentation et que vous l'utilisiez pour activer les serveurs du poste de contrôle. Ok, d'accord. Je sais pas comment elle a fait pour nous trouver, cette Katia, c'est ça? Bah écoutez, alors elle nous a proposé de... d'activer les modules de sécurité ou je ne sais quoi. Bah écoutez, de toute façon, on va devoir y aller. Il devrait y avoir un module d'alimentation dans une des petites annexes. Y'a pas un... Oh putain, les lumières, ils ont été coupées. Alors pour ça, il faut le chercher. Où est-ce qu'il est? Il doit pas être bien loin, je crois. Ça se tombe, il est peut-être à l'étage. Ah non, c'est fermé. Insérer le module d'alimentation dans le générateur du poste de contrôle. Oui bah attends, il faut d'abord le trouver, laisse-moi le temps de le trouver.
Oh zut. Bah écoutez, ça va être une petite enquête, une petite recherche plutôt. Ah, j'ai trouvé ça. Hop là. Journal de bord, ok. On écoutera ça plus tard. Bon. Où il est le reste? Ok, ok les amis, je l'ai trouvé, il est juste là. Hop, fallait retourner dans la petite base, là on avait fait connaissance avec un petit xénomorphe. Apportez le module d'alimentation au poste de contrôle, je l'ai indiqué sur votre interface. Ok, c'est bon. Vas-y. Merci soldat, le poste est alimenté. Allez à l'étage et connectez les serveurs. Ok, bah c'est parti. Wow. Il est où? Non, va-t'en. Pour être sûr, c'est pour ça que je retire. Un stimulant. Il me faut... Voilà. Petit vaccin pour se soigner. Alors, vas-y. Holy shit! Connexion en cours. Je suis connecté. Merci. J'ai accédé au fichier dont j'ai besoin. Ça y est, les portes s'ouvrent. Holy shit, vous avez vu ça, les amis? Il y a carrément un... Bah ça c'est obligé, ça doit être le Predator qui a dû, éclater. Bah en fait il a le même objectif que nous, enfin il a pas le même objectif. Rappelez-vous, son objectif c'était de détruire la pyramide puis de retrouver ses alliés qui sont malheureusement morts sur... Évitez les ennemis et enfuis. Enfuis-toi, ok. Ah ouais, il cherche la bagarre en fait. Je l'ai vu, il était là. Bon, ok, on se casse. Ne la combattez pas. Il est parti. Mais faites attention. J'ai besoin de vous. Ok. Les données que vous m'avez transmises concernent Carl Bishop Wayland, l'un des directeurs de la corporation Wayland Utah. Monsieur Wayland a toujours eu des projets secrets ici. Ce n'est que récemment que j'ai découvert leur vraie nature. Je détecte du mouvement. C'est dégueulasse. Je vous en prie. Faites attention. Ok. On est arrivé à un point de contrôle, les amis. Bah, je pense que c'est là où on avait commencé avec la mission du Predator. C'est dingue. Ça se tombe, on va devoir le rencontrer, on va devoir se battre avec lui. Ah, ou peut-être pas. Rachard d'acide. Hop là, voilà. Ça, c'est fait. Et ensuite... Ok. Crachant de... Oh putain, où ils sont? Hop, voilà. Hop les amis, nous sommes arrivés à notre point d'objectif. Hop, voilà. Qu'est-ce que... Ok les amis, le voilà notre point d'objectif. Un endroit de caméra. Et là aussi.
présence hostile détectée. Tu te calmes. Eh putain! Je lui ai défoncé la tête, il est encore en vie. Tu te calmes. Arrête, non, là je te brûle. Même les androïdes sont contre les humains, c'est dingue. Il y en a d'autres. Visez les membres. Leurs troncs sont mieux protégés. Non ! Pas déjà ! Visez les membres. Leurs troncs sont mieux protégés. What the... Vite, 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 vite. Oh. Non. Il court après moi en plus, au secours. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Sans déconner. C'est pas possible. Non mais aïe. Punaise. Oh punaise, ils explosent sûrement en plus. Le tunnel s'est effondré. Nous avons durement souffert de l'activité sismique dans la zone. Trouvez un passage au-delà des débris. Est-ce que ma vie elle se recharge toute seule? J'ai même pas fait attention. Il me semble qu'à un moment, couille, c'était rechargé. Ou pas. Ok, et maintenant... Ah, faut que j'aille par là. Bon, écoutez les amis, on va s'arrêter ici. J'espère que cette vidéo sur Alien vs Predator sur le mode marine vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à partager la vidéo si vous le souhaitez. Et on se retrouvera dans de nouvelles vidéos, les amis. Et je vous dis à bientôt, les amis. Ciao, les amis. À bientôt. Ciao.